Fanny, cédant aux suppliques de Raoul, l'a épousé, plus par patriotisme que par amour. La passion malheureuse que Dora a pour Raoul lui fait peu à peu perdre l'esprit. Quant à Blanche, après la mort de son mari, elle s'est enrôlée sur le front comme infirmière. Elle y a retrouvé par hasard son ancien maître, Louis Erard, grièvement blessé. J'ai acheté une voiture automobile. Eh bien, tu vas la voir. Tu vas voir quelle merveille c'est. Merci de nous avoir donné des nouvelles, Blanche. C'est une chance que Louis... Enfin, que M. Erard vous ait rencontré là-bas. Bonjour, Blanche. Bonjour, madame. Allons-y. Le docteur Bertin vient de voir cet après-midi. Blanche, veux-tu que nous déposions au village? Blanche, viens avec nous à la Tour Rouge. C'est elle qui m'a soigné. Elle sait mieux que cet imbécile de Bertin ce qu'il faut faire. Je ne verrai pas Berthe. Ça ne fait pas dans cet état. Je pensais que Blanche voulait peut-être voir ses parents. Je verrai plus tard. Quelle chance d'avoir retrouvé mon petit mari. J'ai été si seule et si malheureuse, si vous saviez. Et je serai votre ange gardien, vous allez voir. Là. On va tout de suite te faire un peu de toilette, tu ne sens pas très bon. Non, il faut d'abord qu'il se repose. Doucement. Allez. Doucement. Oh là. Voilà. Voilà. Entrez. Voilà les enfants. Bonjour papa. Bonjour papa. Oh, doucement les enfants, doucement. Oh, Louise, quand vous avez écrit que la vieille madame de Cour était très mal, on craint pour sa vie. Oh, vous allez fatiguer votre père. Vous savez qu'à votre femme, les affaires ne vont pas bien non plus, d'ailleurs. Oui, Dans la famille, il n'y a que nous qui soyons prospères. Grâce à Clément, qui est tellement intelligente. Vous agitez pas comme ça, les enfants. Au rouloir, maman, vous démenez, ça ne va pas fort non plus. Quant au mariage de Fanny et de Raoul, entre nous, on dit que ces deux-là se disputent un peu trop. Il paraît même qu'à la dernière permission... J'ai besoin de me reposer. Je voudrais qu'on me laisse seul avec Blanche. Bon. Bien, tout à l'heure, mon chéri. Venez, les enfants. À tout à l'heure, mon chéri. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure, papa. Allez, allez. Faire votre pansement, mais vous êtes trop fatigué, tant pis. Allez, reposez-vous d'abord. Blanche. Oui. Si vous voulez aller voir vos parents, je ne peux pas vous en empêcher. J'irai plus tard, c'est pas grave. Je suis un peu étourdie. J'avais besoin d'air. Tu as droit à un peu de repos, toi aussi. Pendant que Louis est endormi, je suppose qu'il dort. Je vais te raccompagner au village. Ta mère habite à l'école, n'est-ce pas? Oui. Mais
Je ne lui ai pas refait ces pansements. Le docteur Bertin les fera. Vous savez, madame, les blessés graves sont comme des enfants. Il va avoir très peur si je ne suis pas là quand il se réveille. Ne dis pas de bêtises, Blanche. Il trouvera sa femme et sa sœur. Nous essaierons de te remplacer. Je ne dis pas de bêtises. Il est très inquiet, même quand je m'éloigne pour très peu de temps. Eh bien, il est temps que cela cesse, s'il en est ainsi. Ce n'est pas sain du tout, sincèrement. Mais je pense que tu te fais des idées, ma fille. Bon. Je vais chercher mes affaires. Elle n'est pas partie d'elle-même. C'est vous qui l'avez renvoyée. Je ne verrai pas cette âme de Bertin. Allez chercher Blanche. Le temps des esclaves est passé, Louis. Cette fille n'est pas ton esclave. Elle a le droit d'être ailleurs qu'à côté de ton lit. Elle a dit qu'elle reviendrait te voir dès qu'elle serait moins fatiguée. Bon. Je vais faire monter le docteur Bertin. Je comprends que se taire est une trahison. La France, à tous ses fils, réclame aux uns les corps, aux autres l'âme. L'aube est proche. Oui, tous les poètes, levons-nous. Autour de la muse française, soyons les grands frères jaloux des soldats de 1916. Oh, que c'est beau, non? Ça me donne le frisson. Ça a été présenté pour la première fois au Théâtre Français le 4 mars. Écoutez la fin, mon ami. Ô muse, si petite et si grande, merci de ce que tu cachais derrière ton sourire. Puisqu'un vers peut t'aider à la victoire aussi, viens, de toute mon âme, essayons de l'écrire. André Rivoire. Je ne pourrais pas vivre s'il n'y avait pas la poésie et les poètes. Vous ne direz pas que je ne vous aime pas. À rester ici près de vous parce que le docteur Bertin a dit que l'air vous faisait du bien. Je peux rester seule. Rentrez, vous allez prendre froid. Ah non, 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 non. Je me sacrifie pour la France, moi aussi. Oh, je ne sens plus mes pieds, je crois qu'ils sont gelés. Rentrez, vous réchauffez, je vous en prie. Mais vous-même, vous n'avez pas froid? Non. Je sens que l'air me fait du bien. Bon. Bien, je vais rentrer. Appelez quand vous voudrez qu'on vienne vous aider. En combien d'espèces? Vous savez ce que c'est, espèces? Oui. Une seule espèce d'oiseau, encore espèce, une seule espèce d'oiseau. Il y a des taches? Une seule espèce d'oiseau se multiplie. Il admirait. Bonjour. Vous voyez comme je vais mieux. Je me promène. Vous vous promenez avec la figure d'un fantôme, oui. Vous n'avez pas honte? Vous m'aviez promis de rester près de moi. Votre femme et votre sœur ne veulent pas de moi là-bas. Alors je reste ici. Je ne vais pas rester à la maison sans vous. Vous n'avez plus l'âge de faire des caprices, monsieur Erard, je vous le dis, moi.
Vous voulez pas revenir avec moi? On va se faire bien recevoir chez vous tous les deux. Je vous le prédis. Bon. Je vais chercher mes affaires, ne bougez pas. Gabriel D'Annunzio a été blessé en service commandé. Qui ça? C'est un poète italien. Que vous aimez? Je n'ai pas lu grand-chose de lui. Je crois qu'il est plus connu par sa vie que par ses œuvres. Quelle vie il a? C'est un grand amoureux. La gare d'Udicourt, à 6 km au sud de Vigneulles, où stationnait un convoi militaire allemand, a été prise sous notre feu. Nos obus ont incendié une rame de wagon le 27. On piétine. On se bat sur place. On meurt pour 2 kilomètres de terre. Quand je me souviens de l'enthousiasme de 14. Vous croyez qu'on va perdre la guerre? Les Allemands ne défendent pas leur territoire. Ils sont sur le nôtre. C'est pour ça que je crois que nous finirons par gagner. Parce que le désespoir est de notre côté. Nous avons cet avantage sur eux. Nous avons la force du désespoir. Nous vaincrons. Mais à quel prix? Il est 7h30. Il y a un moment à peine, il était 4h. Dans un moment, nous serons demain. Et vous serez partis. Ève, ma chérie, emporte ce plateau, j'ai quelque chose à dire à Blanche. Je vais aller me régaler dans un petit coin. Prenez garde à vous, Blanche. Si vous arrivez à quelque chose, je ne vous pardonnerai pas. Vous aussi, monsieur. Soignez-vous sagement. Écoutez bien le docteur Bertin. C'est mademoiselle qui vous amène à la gare. Oui. Allez, au revoir, monsieur. J'ai croisé Blanche qui partait. Une bonne chose de faite. Cette situation ne me disait rien qui vaille. Qu'un homme comme il faut couche avec la bonne, passe. Mais qu'il en tombe amoureux, non. Quelle figure d'enterrement. Eh bien, tu peux la garder, elle est circonstance. J'ai eu une matinée épouvantable. Comme tous les mardis, j'ai été à la mairie. Et voilà.
L'oncle Charles a été tué, près de Verdun. Je reviens du rouloir, tante Lucie a eu une syncope. Je suis passée prévenir le docteur Bertin, il doit être là-bas maintenant. Mon Dieu. Blanche va prévenir Fanny en passant à l'école. Oui. Tu te souviens d'Armand, le régisseur de Feuilles Fortes? Lui aussi a été tué là-bas. Ah. Ta femme dort encore, évidemment. Je ne sais pas. Je vais la réveiller. Il faut qu'elle aille au rouloir. Sa mère a été très touchée de la nouvelle. Soyons quand même heureux d'une chose. C'est que pour toi, la guerre soit finie. Villatte, Charles, capitaine au 54e d'artillerie, n'a pas quitté son poste d'observation, quoiqu'il fût, avec sa batterie, sous un feu violent d'obusier. Grièvement blessé, est mort le soir même des suites de ses blessures. A été cité à l'ordre de l'armée. Pétain a dit le 9 avril, courage, on les aura. Et on les aura, car ils n'ont pas de chef comme les nôtres. Ils n'ont pas de Pétain, eux. Ils n'ont pas de Joffre, de Mangin, de Nivelles, de Castelnau, de Langle de Carry, de Langezac. Ils n'ont pas tous ces hommes supérieurs. Taisez-vous donc. À vous entendre, on s'étonne que la guerre ne soit pas terminée en août 1914. Vous critiquez nos chefs? Je critique vos sornettes. Mes sornettes sont celles d'un patriote. À ce propos, j'ai vu que vous lisiez le torchon de ce traître, de ce lâche qui se cache en Suisse. Romain Rolland, au-dessus de la mêlée. Quand Marcel est venu la dernière fois, il m'en a parlé, il m'a demandé de le lire. Ceux qui lisent cette pourriture sont des traîtres eux-mêmes. Vous ne l'avez même pas lu, taisez-vous. Voilà le docteur Bertin. Maman. Il faut qu'elle dorme le plus possible. Elle ne va pas mourir, elle aussi. Mais non, voyons, ce sont les nerfs. Le reste est solide. Comment était Madame de Cour ce matin? Mal. La mort d'Évangeline l'a terriblement atteinte. Elle ne s'était pas quittée depuis plus de 70 ans. D'ailleurs, je vais rentrer. Je n'aime pas m'absenter trop longtemps en ce moment. Clémence m'a dit que votre régisseur, lui aussi, avait été tué à Verdun. Oui. C'était un homme très capable. Au revoir, ma petite Fanny. C'est à cause de moi que vous n'allez plus à l'hôpital ces jours-ci. Vous ne dormez pas? Non. Je ne peux pas parler avec Amélie, elle pleure à tout bout de champ. De temps en temps, je ronfle un petit coup pour qu'elle soit bien sûre que je dors. Comme j'aurais été seule sans vous. Vous m'aidez tellement à supporter tout ça. Amélie m'a dit qu'Henri serait là demain ou après-demain. Vous avez eu raison de le faire venir.
Il n'aurait pas fallu qu'il tarde trop. Mais je ne l'ai pas fait venir. Il vient en permission, simplement. Vous êtes encore jeune, mais trop vieille pour apprendre à mentir sans que ça se voie. Il a la chance d'être au ministère à Paris. Vous savez bien qu'il vient le plus souvent possible. Il s'inquiète terriblement pour vous. Vous êtes la seule personne qu'il aime, je crois. Je n'ai pas besoin de le faire venir. Pauvre chérie. Il va pourtant falloir qu'il se fasse une raison. C'est votre faute. Vous ne luttez plus, vous. Vous ne mangez rien. Je sais que vous jetez derrière votre lit tout ce que vous donne le docteur Bertin. Pourquoi ? Elle ne me dit plus rien. De vivre ? Oui. C'est plus drôle du tout. Mais ça finira bien un jour. Il faut seulement un peu de patience. Ni plus. Et nous ? Henri ne pourra pas vivre sans vous, et moi sans vous, je serai si seule. Vous verrez, en vieillissant, on devient égoïste. On ne pense plus tellement aux autres. On se dit qu'ils se débrouillent. Ah, vous auriez dû continuer. Faire semblant de dormir, je deviens aussi plornière, chardée et embêtante, Camille. Je suis encore là. Je vais dormir un peu. Comment ça va? Monsieur Henri et le docteur Bertin sont là-haut. Madame Clara se repose. Elle tenait plus debout. J'espère que tout le monde ne pleure pas comme ça devant elle. Pleurons comme peur qu'elles seront plus courtes, madame. Quand je pense que madame Adélaïde et ma grand-mère sont nés le même jour et que la mort les prend la même année. Si tu as l'intention de pleurnicher comme ça jusqu'à sa porte, reste en bas. Je montrerai ça. Cessez de vous agiter. Vos talons et vos jupons font un vacarme insupportable. Allez chercher votre femme. Oh. Maman. J'y vais. Merci d'être restée avec nous cette nuit. Quand j'étais petite et qu'Adélaïde, quoi qu'elle dise, était plus grande que moi, elle essayait toujours de me faire pleurer. Il n'y est jamais arrivé. Jusqu'à cette nuit. Au revoir, mon petit. Au revoir.
Faites-moi prévenir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez un peu seul. Simplement. Merci. Vous allez vous reposer un peu. Je peux pas. Je peux pas supporter cette idée. Je suis plus l'enfant de personne. Je suis le plus vieux. Il y a plus personne avant moi. Je n'ai plus personne, je suis seul. J'ai froid. Je suis là, Henri. Si vous voulez de moi, j'ai besoin de vous parce que moi aussi, je vais me sentir bien seule maintenant. J'ai jamais aimé personne comme j'ai aimé ma mère. Comme je l'aime encore. Personne ne pourra me consoler de l'avoir perdue. Je partirai après l'enterrement. Je suis resté seul avec elle jusqu'à la mise en bière. Je vous en prie. Bonsoir, Madame Vergniaud. Bonsoir, Fanny. Bon, il y a un garçon qu'on vient d'amener. Il a perdu un bras, il a le thorax défoncé, il a de la fièvre. Il cherche tout le temps son bras droit avec sa main gauche. Il faudrait l'empêcher d'arracher ses pansements. Oui. Et comment va le capitaine du lit 3? Ça ne va pas très bien. Il se ronge parce qu'il n'a pas de nouvelles de sa femme. Excusez-moi. Bonjour, Clara. Bonsoir. Vous faites la garde de nuit aussi? Oh, ce n'est pas... C'est très égoïste, j'en ai bien peur. La maison me paraît tellement vide depuis que ma belle-mère est morte. Je comprends. Elle est tombée la nuit, surtout, c'est triste. Aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Hein? Oui, le lieutenant de Marcel m'a écrit. Lui, il ne pouvait pas, il était blessé au bras droit. Il a une pneumonie. Ah.
Ça vous étonne que je parle de ça aussi légèrement. Mais tant qu'il est vivant, rien ne me paraît vraiment terrible. Oui. Il va venir en convalescence dès qu'il pourra voyager. Ah, c'est si bon de penser que pendant quelques semaines, il sera à l'abri près de nous. J'espère seulement que la maison lui paraîtra... Oh, il faudra venir le voir, Fanny. Oui, je viendrai, bien sûr. Mais il vaudrait mieux que Raoul ne sache pas que Marcel revient. Nous le lui dirons quand il viendra en permission. Vous voulez bien? Oui. Il est jaloux de tout. Même de la peine que j'ai eue à la mort de mon père et que je n'ai pas pensé à lui cacher. Mais s'il sait que Marcel est ici, il sera très malheureux là-bas. Oui, vous avez raison. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il faut vous donner quelque chose? Peut-être un peu de sirop. Celui-là? Oui. Maman m'a dit que vous viendriez vers 5 heures. Il fallait me réveiller. Je ne voulais pas. Vous êtes si pâle. Il faut que je m'en aille. Je vais être en retard à l'hôpital. Je me sens un peu bête de m'être endormie comme ça. Vous étiez fatiguée? C'est bien la moindre des choses d'être un peu fatiguée. Je viendrai vous voir demain. Je ne sais pas à quelle heure. Je crois que ça te ferait du bien d'aller un peu au soleil, mon chéri. Dans quelques jours, maman. Peut-être demain. Je n'ai pas très envie de quitter ma chambre pour le moment. Je me demande si cette pendule est juste. Je crois, oui.
Fanny, t'as dit qu'elle viendrait te voir aujourd'hui? Oui. Alors sans doute viendra-t-elle à la même heure qu'hier, vers 5 heures. Tiens, la voilà. Profitez-en pour aller vous reposer, maman. Oui. Bonjour, Fanny. Je fais monter du thé. Peut-être préférez-vous autre chose? J'aime mieux du café, si c'est possible. C'est possible. Sentez-vous aujourd'hui? Comment se passent vos journées? Racontez-moi. Le matin, je vais à l'école de 9h à midi et de 2h à 4h. À 7h, je vais à l'hôpital jusqu'à 2h du matin. Avant, je restais toute la nuit, mais je ne peux plus à cause de l'école. Vous ne dormez pas beaucoup? Plus que ceux qui se battent. Hier, j'ai très mal dormi, j'ai fait des cauchemars effrayants. Il y avait un rossignol qui se moquait de moi. Moi aussi, ça me fait cette impression. Il me semble que les oiseaux se moquent de moi quand je les entends chanter. Mais pas que les oiseaux, tout. Les animaux, les plantes. Fanny. Oui. Rien, j'avais envie de dire votre nom. Je ne peux pas imaginer qu'un jour nous retournerons à la plage, que je pêcherai la crevette et que vous examinerez les crustacés. Ou bien que vous essayerez encore de m'apprendre à danser. C'est l'heure de mon sirop. Vous voulez bien me le donner? Je ne reviendrai plus vous voir, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Adieu. Je me suis souvenu que vous faisiez des cauchemars terrifiants. C'est pour ça que je suis venue. C'est pas vrai. C'est de votre faute. Si vous aviez dit un seul mot, jamais je n'aurais épousé Raoul. C'était impossible. Il vous aime tellement. Je ne savais pas. Non, je vais m'en aller. Je ne reviendrai plus. Il ne faut plus que vous reveniez. Il faut oublier ce qui s'est passé. Nous ne sommes plus tout à fait les mêmes à cause de cette guerre. Oui.
Non. Tu vas rester près de moi. Oui. Nous dormirons aussi. Oui. Je ne veux pas. Je ne peux pas. S'il arrivait malheur à Raoul après cette nuit, comment est-ce que je pourrais vivre? Si je pars maintenant et qu'il vous arrive malheur à vous, comment est-ce que je pourrais vivre? Je vais m'en aller. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Oui, c'est mieux. Mais c'est pas possible. Vous êtes éveillé. Vous partez. Je dois aller à l'école. Bonjour madame. Bonjour lieutenant. Laissez-moi tirer cette charrette. Non, sûrement pas. On a eu assez de mal à vous remettre sur vos pieds. Vous me permettez quand même de faire quelques pas avec vous? Oui. Nous avions une vieille jument, mais elle est morte au début de l'hiver. Elle aussi. J'ai fait la queue devant le débit de tabac depuis ce matin 8 heures. Tout le monde savait qu'ils avaient touché leur approvisionnement. Mais ils ont été dévalisés bien avant mon tour. Moi j'avais besoin d'une paire de bottines, j'y ai renoncé. 80 francs le premier prix. Tout est tellement cher. Enfin, je suis contente d'avoir eu un peu de charbon aujourd'hui avec le froid qu'il fait.
On a été obligé de fermer notre école, on ne pouvait pas la chauffer. Vous repartez quand? Dans une huitaine. J'espère que Nivelle va frapper un grand coup et qu'on va en finir. Ouais. C'est un grand chef. Il paraît. L'important, c'est qu'il arrive à redonner l'enthousiasme à nos troupes. Ouais. Au début, dans la rue ou à l'hôpital, les gens parlaient de la victoire. Maintenant, de plus en plus, ils parlent de la paix. Oui. Allez, laissez-moi continuer toute seule. Vous allez vous fatiguer. Je vais vous obéir. Ma jambe me tire un peu. Au revoir, lieutenant. Au revoir, madame. Voilà Fanny. J'ai eu un peu de charbon. Mais c'est toujours ça. Ça me brise le cœur de vous voir pousser cette charrette, mademoiselle Fanny. Oh, quel froid. Le pire, c'est quand je rentre dans ma chambre le soir. C'est une vraie glacière. Pas plus que celle des autres, ma chère. Il y a des gens qui supportent moins le froid que d'autres. Fanny, il y a une lettre pour toi. Comment va, oncle Gabriel? Il est au fond de son lit avec son rhume, il le couvre. Tu connais ton oncle dès qu'il a le moindre bobo. N'en parlons pas, ça vaudra mieux. C'est une lettre de Raoul. Tu n'enlèves pas ton manteau? Non, je vais aller scier un peu de bois. Il n'en reste pas beaucoup. Il va falloir abattre un arbre. Et il va encore falloir trouver quelqu'un pour le faire. Si nous avions une fromagerie, nous roulerions sur l'or, nous aussi. Comme ma fille. Cette cidrerie est un vrai boulet. Je me demande si on ne ferait pas mieux de la fermer et de vendre les pommes telles quelles. Pauvre tantine, vous avez tellement de soucis. Et ici, personne ne peut vous aider. Va lire ta lettre, hein. Je vais réfléchir à tout ça. Il n'y a pas de chair, pas de sang, pas d'amour dans vos lettres. Il n'y a que des mots vides et bien élevés. Vous me racontez minute par minute l'emploi du temps de vos journées, vos gestes, vos actes. Mais minute par minute, j'ignore tout de vos pensées. Pas un mot ne les trahit. Quant au bas de vos lettres, je lis, je vous embrasse. Je sens sur ma joue un baiser rapide et indifférent. Je suis assis au fond d'un trou glacé. Mes doigts gourds peine à tenir ce crayon. Et tour à tour, je vous imagine ardente ou glaciale contre moi, quand je reviendrai. J'ai des bouffées d'espoir et de désespoir. Chaque jour, j'attends vos lettres. Il n'y a rien d'autre ici qui me rattache à la vie. Et quand je les lis, chaque fois, je voudrais être près de vous pour vous faire autant de mal que vous m'en faites. Il y a des nuits où les obus sifflent et tombent autour de nous, où des soldats meurent déchiquetés, tout près de moi, et où j'imagine avec volupté le mal que je vous fais. Je vous fais crier. Je vous fais pleurer et même, j'imagine des choses plus terribles encore. Je n'accepte pas. Je n'accepterai pas que vous ne m'aimiez plus. Tu auras fini d'éplucher tes pommes de terre, tu m'auras le linge. Oui, moi. Bonjour. Bonjour. On dirait que vos joues sont en glace. Ma bicyclette a dérapé dans le tournant sur la glace et je suis tombée dans le fossé. Vous vous êtes pas fait mal? Non, j'ai eu un peu peur, simplement. Vous voulez du thé, Fanny?
Ah oui. Annette, s'il vous plaît. J'ai mon sucre. Ah voilà. Là. On s'habitue à tout. Même à apporter sa ration de sucre quand on vient en visite. Oh, ce n'est pas le pire. Je sais. Mais ça continue à me gêner. Il le faut bien. C'est pas raisonnable de continuer à aller à l'hôpital par surcroît, mademoiselle Fanny. Ni vous, ni madame Clara. Heureusement que vous me prêtez la voiture et que je ne dois pas faire la route en bicyclette. On a emmailloté les sabots de Jéroboam avec des chiffons. J'espère qu'il ne glissera plus. Une lettre de Raoul ce matin. Moi aussi. Et une lettre de Marcel. Annette, tu peux déjà monter ça? Oui. Il neige. Dans la plaine, à 200 mètres, une centaine de cadavres en pantalon bleu. J'entends un obus qui joue de la flûte. Ça va. Qu'il siffle, c'est qu'il va plus loin. Nous nous serrons les uns contre les autres dans la tranchée. Nous arrivons à avoir un peu moins froid. Mes camarades dorment. Je pourrais faire comme eux si je n'avais pas perdu le don de dormir. Je préfère ne pas la lire. Vous savez, Fanny, que je me suis arrangée avec la marchande de charbon. Je lui ai vendu les arbres du petit bois. Celui où il fait si bon en été? Oui. Et le prix du bois monte et ici nous manquons d'argent. À la maison aussi. Tante Alix va peut-être fermer la cidrerie. Ils ont déjà abattu des arbres. Je préfère ne pas aller voir ça. Faut que je m'en aille. Au revoir. Quand je regarde notre fille, je vois ma tante Bertie, celle qui s'est jetée dans le puits. Je devrais pas te raconter ça, à toi qui es au front. Mais ça me pèse tant, vois-tu. Non. Cette feuille-là, déchire-la, mon garçon. C'est le petit Jean, le fils de Rolande, qui est écolier, qui t'écrit pour moi. Georgette va bien. Au fond, c'est une brave fille. Et je suis bien contente de l'avoir près de moi. Surtout pendant que t'es au front. Elle a beaucoup changé. Elle est très affectueuse. Et elle m'aide bien.
que vous deviez arriver après-demain, non? Est-ce que vous ne deviez pas rentrer après-demain? J'ai pu partir plus tôt. Je ne vous crois pas. Vous avez dit que vous arriveriez le 14 pour me surprendre le 12. Je suis sûre qu'il en est ainsi. Et qu'avez-vous surpris? Que je dormais? En ai-je le droit? Je vous le demande. Je reviens du front. Nous ne nous sommes pas vus depuis 4 mois. Vous me reprochez d'être revenu 2 jours plus tôt. C'est tout. Vous n'avez rien dit d'autre. Rien. Je vous demande pardon. Je suis fatiguée, je vais monter me coucher. Votre délicatesse est totalement inutile, ma chère maman. Ma femme n'a nullement hâte de rester en tête à tête avec moi. Ne dis pas de sottises, mon chéri. Tout ce que tu as souffert t'a mis des idées folles dans la tête. Je crois que ce soir, tu as un peu trop bu. Ma femme ne m'aime pas, maman. Et je bois pour enlever le mal que ça me fait là. Bon, je vais me coucher, mes enfants. Marcel arrive par le train de 5 heures et je voudrais avoir le temps de me reposer un peu. Je suis si heureuse. C'est la première fois que je vous aurai tous les deux en même temps. Bonsoir. Dis-moi, je t'aime, Raoul. Je t'aime, Raoul. Je suis folle de toi, mon amour. Je suis folle de toi, mon amour. Il me semble que tu viens de dire, passez-moi mes pantoufles, Annette. D'amour sur ton visage. Je veux voir des larmes de passion sur tes joues. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Te frapper? Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un dont on sent qu'il est en face de vous, vide et indifférent. Allons nous coucher, Raoul. Il est tard. Oui, il est trop tard. Ton père a demandé à quitter les bureaux. Il veut jouer un rôle plus actif. Il pense être muté d'un jour à l'autre. J'ai reçu une lettre de lui hier. Depuis que votre grand-mère est morte, on dirait qu'il n'a plus de goût à la vie. Quelle pauvre figure tu as, mon chéri. J'espère qu'ici tu réussiras à mieux dormir. Je l'espère aussi. Ça a été une telle boucherie, maman, si vous saviez. Je ne sais pas si ceux qui ont connu ça et qui n'y sont pas morts retrouveront un sommeil paisible. Un jour, je ne sais pas. On dit que les hommes oublient tout. Est-ce que nous oublierons le chemin des dames? Un grand baquet d'eau. Maintenant, repose-toi, mon chéri.
Attends, il ne faut plus que ça arrive. Plus jamais. Je sais. Mais il fallait que je te voie seule une dernière fois. Je vous demande pardon, maman. Je préfère parler de ce qui se passe ici que de ce que j'ai laissé là-bas. Racontez-moi des potins. Eh bien, figure-toi que les soupirants ont repris le chemin de la Touroude. Marianne Erard a surmonté son horreur de l'hôpital quand elle s'est aperçue que c'était le seul endroit où on pouvait rencontrer des hommes qui ne soient ni des vieillards ni des enfants. Excusez-nous, maman, je me suis réveillée très tard et Fanny m'a attendue. Bonjour, Marcel. Bonjour, Fanny. Vous êtes un peu pâlote, non ? Marcel m'a toujours trouvé trop pâle et trop maigre. Toutes mes félicitations pour ta citation. Merci. Nous parlions de votre cousine Marianne, qui s'est constituée une cour permanente de poilus et d'officiers en convalescence. Je ne pense pas qu'elle soit la seule. Tu te trompes. Les femmes d'ici ont eu un comportement loyal et courageux dans leur ensemble. Vous ne voyez jamais le mal, maman. Personnellement, j'ai toujours trouvé suspect ce dévouement féminin pour les blessés. Quand j'étais blessé là-bas sur le front, j'étais très reconnaissant aux femmes qui se dévouaient, comme tu dis. Elles font des besognes rebutantes et harassantes. Je ne te parle pas des vieilles femmes qui ont des verrues sur la figure. Je te parle des jeunes et des jolies. Je pense que plus d'un mari préférerait qu'elles restent chez elles. J'ai essayé par tous les moyens de trouver du café pour vous, mes chéris, mais rien à faire. Prendrez-vous du thé ou un petit alcool après le repas? Un petit alcool pour moi. Première fois que nous nous sommes retrouvés ici. Nous nous sommes assis à peu près par là. Venez. Savez-vous qu'il n'y a rien de plus humiliant pour un homme que de ne pas réussir à donner du plaisir à la femme qu'il désire? Je vous en prie. Vous me priez de quoi? Plus vous importunez de mes ardeurs. Je n'aime pas parler de ces choses. Ni les faire. Vous avez bu trop d'alcool de poire. Cela vous incommode? Je n'aime pas l'odeur de l'alcool. Je n'aime pas ce qui est poli et tiède. Soyez fous. Voilà ce que vous m'avez dit ici même. Et je vous ai prise dans mes bras. Embrassez-moi, Fanny. Comme ce jour-là. Laissez-moi. Je ne veux pas que vous me touchiez. Je ne supporte pas que vous me touchiez. Je ne vous aime pas. Je n'aurais jamais dû vous épouser. Je vous demande pardon. Je vous ai épousé parce que j'étais jeune. Vous m'aimiez, c'était la guerre. Cela me plaisait d'être aimée, je ne voulais pas vous faire de peine. J'étais jeune, j'étais bête.
J'étais bête. Je vous demande pardon. Dites-moi qui est votre amant. Viens ! Ne me touchez plus ! Vous ne m'attendrirez plus avec votre amour. Vous ne m'aimez pas. Vous voulez que je sois votre prisonnière. Voilà ce que vous appelez votre amour. Je n'irai pas à Feuillefort. Je retourne chez moi. Je n'aime pas votre caractère. Vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas tendre. Vous êtes cruel, brutal et méprisant. Vos yeux sont glacés. Votre bouche est méchante. Je retourne chez moi. Ne me touchez plus. Je ne veux plus vous voir. Maman, je quitte Raoul. Mon Dieu, de quoi parles-tu? De mon mari. Je ne l'aime pas, je lui ai dit. Je ne veux plus le voir. Voilà. Oh mon Dieu, Fanny. Que tu es violente. Que s'est-il passé? Il m'a frappé. Mais c'est pas à cause de ça. Il t'a frappé. Oh mon Dieu. Si ton père était là, il saurait ce qu'il faut faire. Ne vous en faites pas, maman. Il ne faut rien faire. Je reviendrai ici. Mais enfin, Fanny, il est ton mari. Peut-être. Mais je ne veux pas le voir. Si au moins Alix était là. Je vais redevenir votre Fanny, maman. Je voudrais revenir en arrière. Je voudrais être avant la guerre. Et être encore petite. Moi aussi, je voudrais venir en arrière. Je lisais de vieilles lettres. Si tu savais comme ton père était un homme charmant. Il y en avait un charmant. C'est vous qui l'avez eu. Les autres sont tous affreux. Madame. Oh bien, qu'est-ce que vous faites là, Biquette? Fanny s'est fâchée avec son mari, Léonie. Et vous voilà avec des yeux gonflés et une figure grosse comme le poing. Je veux pas être grande, Nini. On est triste tout le temps. Bougez pas, mon chou. Je vais vous monter des grosses tranches de pain, du bon beurre frais qu'ils nous ont apporté de la Touroute et de la confiture de cerise. Avec ça dans le ventre, vous réfléchirez mieux. Il reste un peu de confiture de reine Claude. Oui, mon petit. Vous en faites pas, Madame Lucie. Les douceurs, ça console les petites chattes en un rien de temps. Il n'y a qu'ici que je peux être heureuse, maman. Je ne m'en irai plus jamais.
Je suis trempé jusqu'aux os. Tu me reconnais ou pas? J'ai l'impression que tu as bu un coup de trop ce soir. Au moins, on sera bien assortis. C'est tout juste si je t'ai reconnu. T'as bien changé, ma pauvre fille. L'alcool n'embellit pas. Qu'est-ce que je suis venu faire chez toi? J'en sais rien. Je me rappelle plus. Oui, je ne veux pas réveiller maman. Tu lui diras que je retourne à Fayeforte. Tiens donc. Je vais demander pardon à Raoul. Et je vais lui dire que je l'aime. S'il lui arrivait quelque chose là-bas, après ce que je lui ai dit hier et que je ne l'ai pas revu, je crois que je ne pourrai plus vivre. Et quand la guerre sera finie, on verra. Ne partez pas le ventre vide, ma petite chatte. Bonjour, madame Fanny. Est-ce que monsieur Raoul est dans sa chambre? Non. Monsieur est reparti ce matin, très tôt. Reparti? Où ça? À rejoindre son régiment. Et madame de Cour est dans la maison? Non, elle est allée accompagner monsieur Marcel à la gare. Il va à Paris passer quelques jours près de son père. Oh. Ils l'ont condamné à mort le 24 juillet, il faut attendre le 15 octobre pour qu'elle y passe. Et qui l'a nourrie pendant... 3 mois. Oui, c'est nous. Qui ça? Matahari. Elle n'a pas dû manger beaucoup pendant ces 3 mois. C'est incroyable. Vous défendriez le diable lui-même uniquement pour me contrarier. Quand nous nous sommes mariés, j'avais 17 ans et vous 20. Il y a tant de veufs et de veuves parmi les gens de notre âge. Et nous, nous sommes encore là, tous les deux. J'ai si souvent regretté que vous ne soyez plus le jeune et beau Gabriel de jadis. Mais maintenant, je suis heureuse que vous soyez un vieux monsieur. Je suis heureuse que vous soyez un vieux monsieur. Je vois que vous avez décidé de ne pas me laisser lire mon journal. Si nous étions encore jeunes, vous seriez au front et je me rongerais les sangs. Vous vous rongeriez les sangs?
J'étais très amoureuse de vous, dans le temps. Mon cher. Ah ben, ça ne se voyait guère. Heureusement, avec votre sale caractère. Alors, toujours pas de nouvelles de Raoul ? Aucune. Aucune. Il n'est pas commode non plus, ce rigolo-là. Pourquoi rêves-tu, ma petite fille? Vous vous souvenez de cette robe, ma tante? Oui. Tu l'avais sur le dos quand tu as fait ta première grosse bêtise. Ma pauvre tante. Je vous ai bien déçue, moi aussi. Raoul n'a pas répondu à une seule de mes lettres. Clara ne m'aime plus du tout. Moi, je ne m'aime plus non plus. Et vous, je ne sais pas pourquoi vous m'aimez encore. Qui t'a dit que je t'aimais? S'il y a une chose que je déteste, c'est ce genre de jérémiade. Allez, habille-toi normalement et nous irons faire nos comptes. Comme ça, ce sera à mon tour de pleurnicher. Ah, voilà Clémence. On va pouvoir enfin régler cette histoire de livraison de pommes. Bonjour, ma petite Clémence. Je suis bien contente de vous voir. Je ne viens pas pour vos pommes, ma tante. Est-ce que Fanny est là? Oui. J'ai le regret de vous apprendre que Raoul a été tué. Le 23 octobre, à la Malmaison, près du Chemin des Dames. Il a été décoré à titre posthume de la Légion d'honneur. Monsieur le maire la remettra lui-même à Fanny. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que je me serre. Il faut que je me serre. Mon Dieu. Préviendrez-vous Fanny ou souhaitez-vous que je le fasse? Et Clara? Comment est-elle, Clara? J'irai la voir en vous quittant. Elle ne sait pas encore. La pauvre femme. Mon Dieu, c'est terrible. Bonjour, Clémence. Qu'y a-t-il, ma tante? Vous ne vous sentez pas bien? Qu'y a-t-il, ma tante? Je ne peux pas. Marcel est mort. Si Marcel était mort, je n'aurais rien à faire ici. Tu n'es ni sa mère ni sa femme.
tante. Oui. Vous dormez? Non. Est-ce que je peux rester près de vous? Écoute, mon petit. Tu dois cesser de te sentir coupable. C'est impossible. Non. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas leur mari. Elles en ont le droit. Je ne devais rien lui dire. Je lui ai dit pour lui faire du mal. J'ai été horrible avec lui. J'ai crié, ne me touchez pas, je ne vous aime pas. Je crois que je le lui ai dit pour qu'il meure. Je voulais qu'il meure. Je savais que je le désespérais. Je savais qu'il était assez fou pour repartir et pour se faire tuer. Calme-toi maintenant, ça suffit. L'Europe entière est à feu et à sang, toutes les vies sont bouleversées. S'ils ne sont pas anéantis, et toi, qu'est-ce que tu as là-dedans? Une petite fille emportée par la tempête, comme les autres. S'il n'y avait pas eu la guerre, pour commencer, tu n'aurais pas épousé Raoul. Pour finir, il ne se serait pas fait tuer. Je vais vous laisser dormir, ma tante. Bonne nuit. Bonne nuit. Je veux vous donner quelque chose. C'est la croix de Raoul. On lui a donné pour son courage. Et il est juste que vous l'ayez parce que vous l'aimiez. Vous l'aimiez mieux que moi. Prenez-la, je vous en prie. Il est mort. Il est mort et je veux... Il faut qu'une femme le pleure vraiment. Vous comprenez? Moi, je ne l'aimais pas. J'ai des remords, mais... Je ne l'aimais pas. Mais vous, vous l'aimiez, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien.
prudent.